Vous êtes sur Info Télévision, mesdames, messieurs. Bon après-midi, ravi de vous savoir nombreux à regarder Convaincre qui démarre à l'instant, comme tous les dimanches d'ailleurs, entre 16h et 16h52. On reçoit une personnalité, un Camerounais, un compatriote, un expatrié, n'importe quel Camerounais ou encore des compatriotes de d'autres pays qui peuvent certainement apporter des éclaircies sur une question donnée aujourd'hui. Nous ne dérangeons pas à la lettre. Nous recevons une personnalité, un diplômé en leadership du côté du Canada. C'est une haute personnalité. Il s'agit d'un formateur, un coach en entrepreneuriat. Il y a, c'est également un directeur de l'organisme chantier d'apprentissage optimal des jeunes immigrants. En gros, c'est un président du mouvement Give Back to Mama du côté du Canada. Bon après-midi à vous, monsieur Hervé Mandeng. Bon après-midi à toi, mon frère Ibodé, à tous ceux qui nous regardent partout dans le monde. Je m'appelle Samuel Hervé Mandeng. Bon, Hervé n'a pas H. Une particularité. Oh oui, c'est pas pourquoi mes parents avaient oublié le H, mais bon, écoutez, c'est Hervé Mandeng. Merci pour l'accueil. Vous faites bien de le préciser parce qu'à la maison, on aurait pu dire que c'est une faute à une faute télévision. Mais si, parce que ça sort de l'ordinaire. Alors, avec vous, avec lui, nous allons revenir sur les termes tels que diaspora. Nous allons venir sur l'impact des Camerounais qui ont fait leur valise pour se retrouver à l'Occident ou dans un autre pays, dans l'Asie ou en Amérique, qui peuvent revenir au Cameroun. Quel serait certainement leur rapport? Quel est l'impact que leurs déplacements, leurs affaires peuvent avoir au niveau de l'économie de notre pays? Quand on va également sortir de là, nous allons revenir sur un certain nombre d'opinions qui fusent du côté de l'Occident le plus souvent. Entre guillemets, les Camerounais qui sont sortis, reviennent de temps en temps furieux sur certaines questions, les démarches au Cameroun. Avec lui, nous allons aborder toutes ces questions. Mais avant, on va prendre une courte transition, question pour vous, de vous permettre de très bien vous installer, surtout de prendre un verre d'eau et de bien apprêter votre téléphone. Comme toujours, vous êtes libre de participer à l'émission via le numéro qui s'affiche sur votre petit écran, SMS et WhatsApp uniquement. À tout de suite. C'est le 26 juin aujourd'hui également. C'est ce même jour que Marc Vivien Fouet, un footballeur, un talentueux camerounais, a quitté la scène et il a abandonné sa famille, la famille sportive, la famille nucléaire et tous les Camerounais orphelins. Certainement, vous avez un mot à dire à l'endroit de cette icône du football camerounais. Ben, Marc Vivien Foué, tout le monde, je pense tout Camerounais de cette époque ne peut pas oublier Marc. Je pense qu'il a marqué sa génération. Je me souviens, j'ai connu Marc Vivien Foué, c'était nos aînés au lycée lycée d'Anguissa, non, lycée de Nkoléton, d'abord, oui, au lycée de Nkoléton. Et moi, j'étais sportif aussi, je faisais du handball à l'époque. Donc, nous, c'était nos aînés et je me souviens la belle histoire avec bien sûr le professeur Edouard, et à l'époque qui recrutait des sportifs de renom. Et il était. Et ce qui nous a marqué, c'est que un joueur, un élève qui allait jouer à la Coupe du Monde, pour nous, c'était inédit à cette époque. C'est-à-dire que je retrace un peu les circonstances. Et un sportif de haut niveau, il est étudiant, je pense qu'il faisait première ou terminale, si je ne me souviens pas, si je me souviens d'être. Mais il quitte, il va jouer la Coupe du Monde. Pour nous, c'était quelque chose de grand. Ça nous a donné de l'espoir, nous, les sportifs, les jeunes sportifs à ce niveau. Je venais de rentrer en première division du handball à l'époque, et sélectionné aussi par M. Odjoa. Et je pense Marc Vivien a marqué son temps. Avec la vie de Marc Vivien, vous comprenez que la vie ne se limite pas par sa longévité. La vie se limite, le succès de la vie se limite par le temps que vous mettez sur Terre. En très peu de temps, peut-être, mais il a marqué son temps.
Et nous devons suivre le pas et faire comme lui. On n'a pas besoin de vivre longtemps, mais on a besoin de vivre un temps court, mais un temps de qualité et qui inspire les prochaines générations. Notre vivant, c'est un homme qui a inspiré les autres générations. Le 17 emblématique des lions et notables du Cameroun, de tous les temps d'ailleurs, hein, parce que jusqu'ici, il n'y a pas encore eu un autre milieu de terrain aussi qui porte ce dossard, qui a vraiment porté cette étoffe qu'il avait exceptionnellement, mais il y a quand même une rumeur qui gêne quand même les Camerounais avec son complexe qui jusqu'ici n'est pas achevé, qui cause d'énormes ennuis entre l'épouse Marie Fouet et son père. C'est un challenge. Et vous, la diaspora, pas d'un coup de main pour avoir quand même à redonner vie à ce complexe. En tant que président, quand même, vous pouvez avoir. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, c'est dommage. C'est très dommage. Mais ce n'est ni la faute de notre système. C'est la faute en général à notre système de pensée. Parce que Marc Vivien Foué, logiquement, avec ce qu'il représente, il faut noter que Marc Vivien Foué n'était pas une star, c'était une personne célèbre. Il faut comprendre la différence entre la célébrité et la popularité. La popularité, c'est lorsque on vous révèle, vous êtes révélé par votre talent. Oui. Alors que la célébrité, c'est lorsque votre talent influence d'autres personnes à devenir comme vous. C'était un homme célèbre. Ça était un homme. Et si on voyait tout ça en lui, tous les deux, les tous deux les qualités. Deux en lui, mais c'était beaucoup plus un homme célèbre. C'était un homme d'impact. C'était un homme d'influence. Lorsque vous rencontrez Marc Vivien Foué, c'est un homme qui vous influençait par son caractère. Et c'est ça la différence. La popularité, c'est lorsque le don vous éblouit. Le don vous éblouit. Mais là, alors que la célébrité, c'est lorsque le don, le caractère du don vous éblouit. Parce qu'à chaque don, il y a un caractère. Et Marc Vivien Foué laissait transparaître plus son comportement, son attitude, que son talent et son don. Et à ce niveau, on ne peut pas le considérer comme un homme populaire. Il était célèbre. Alors, à ce niveau, nous, malheureusement, notre société n'est pas très enseignée sur les méthodes de développement et de pérennisation de ce type de talent. Je peux même vous dire qu'une des plus grosses catastrophes de notre temps, je le dis dans la casquette d'expert en leadership, c'était de ne pas avoir pu exploiter le talent de Samuel Eto'o pour les prochaines générations. Et on a plutôt passé le temps à le dépeindre jusqu'aujourd'hui. Mais ça fait du mal à qui? Ça fait du mal à nos jeunes. Parce que lorsqu'on détruit des repères, des personnes qui se sont démarquer à l'international, connaissant ce que c'est que vivre dans cette société où la compétition est rude, où vous vivez le racisme, où vous vivez du rejet, où vous vivez des insultes. Vous en savez quelque chose puisque vous êtes du côté du Canada. Bien sûr. Et aujourd'hui, Marc Vivien Foué devrait, l'attitude de Marc Vivien Foué devrait normalement être pérennisée à travers son monument, son projet. Ça devait être normalement une fierté nationale. Ça devait être un coup de pouce de l'État. Ça ne devait même plus être. Parce que Marc Vivien Foué n'est plus le fils ou le mari de Marie-Louise, c'est ça? C'est son épouse. Louise. Non. Marie-Louise Foué. Marie-Louise Foué. Non, oui. Non. C'est vrai, c'est son épouse, mais c'est le fils de la nation. À cause de ce qu'il a eu comme impact dans la nation. Alors, normalement, Le ministère qui s'occupe de tout ce qui est patrimoine de l'État, patrimoine, devrait logiquement se pencher sur ce patrimoine pour que ce patrimoine serve à développer l'esprit de Marc Vivien Foué. Pas nécessairement le talent, mais l'esprit de Marc Vivien Foué. Pour que les jeunes, à travers le talent, se développent par leur attitude, par leur comportement, pour avoir des Camerounais, comme le chef de l'État l'a dit, remplis. Hein, par leurs compétences, mais aussi par le caractère. C'est dommage, mais c'est très honteux. C'est même honteux pour notre génération et même pour notre pays d'avoir ce genre de combat. Si Marc Vivien Foué était, je prends un exemple, un pays que je connais bien, qui était canadien, mais ça ne serait jamais fait.
ça ne serait jamais fait. On devait déjà avoir un complexe livré depuis. On devrait avoir un monument pour lui. On devrait célébrer Marie-Louise. On devrait organiser des conférences pour que Marie-Louise vienne expliquer dans des écoles, vienne faire des conférences pour dire comment était son mari, pour que les gens captent l'esprit. Pour se développer. Revenons à notre sujet, c'était juste pour vous permettre de dire un mot. C'est un célèbre Camerounais qui nous a quittés comme ça, si brutalement, il faut le rappeler. Mais aujourd'hui, tous les Camerounais vivent encore, au moins pour ceux qui ont quand même vu cette rencontre entre le Cameroun et la Colombie. Je crois que les images parlent encore d'elles-mêmes. Donc, c'était juste pour faire, à notre manière, rendre hommage à Marc Vivien Fouet, puisque nous sommes Camerounais et vous êtes Kaloma. Alors, on revient à notre sujet de ce jour. Évidemment, on parle de la diaspora. Vous êtes un Camerounais vivant à l'extérieur. Je parle expressément, je prononce ce terme ainsi, diaspora, parce que c'est ça qui vous fait problème. Qu'est-ce qui vous dérange quand on parle de diaspora? À chaque fois qu'on prononce le mot diaspora, vous êtes furieux, vous sortez de vos gonds, vous n'acceptez pas qu'on vous appelle, on dénote les Camerounais vivant à l'extérieur comme la diaspora. C'est quoi votre problème? Ben, je pense que c'est pas un problème. Hein. C'est pas un problème. Il faudrait pas. Qu'est-ce qui vous choque? Ben, il n'y a pas de choc. C'est juste que il est important de savoir que le nom que vous donnez à votre enfant détermine son caractère. Le nom que vous donnez à une communauté détermine ses caractéristiques, détermine comment ils vont se comporter, détermine la perception que vous aurez d'eux. Alors, pendant longtemps, on nous a appelé diaspora. Et je remercie le chef de l'État et toute son équipe qui ont mis en place une direction des Camerounais de l'étranger. Voilà. Ça, c'est très important. Mais malheureusement, ce mot n'est pas repris en fanfare, même auprès des médias. Ils ont bien réfléchi parce qu'il faut éclairer la lanterne, il faut éclairer tout le monde. Une diaspora. Allez sur votre Google. Aujourd'hui, nous avons tous un pays, nous avons tous un téléphone Android. Une diaspora, c'est un peuple ou une communauté qui a été dispersée. Dispersée par quoi? Trois choses. Soit un conflit interne, soit une catastrophe naturelle. Lorsqu'on parle de conflit interne, on va parler de l'Israël aujourd'hui avec les Juifs. On va parler aujourd'hui en Afrique du génocide qu'il y a eu au Rwanda. Oui. Lorsqu'on parle de catastrophes naturelles, on va voir Haïti. Haïti est un pays où il y a plus de catastrophes naturelles, où le peuple est constamment dispersé en Amérique du Nord. On va parler des pandémies, des guerres. On va voir la Somalie aujourd'hui, l'Éthiopie qui a été dispersée peut-être par la famine, des choses comme ça, tu vois. Oui. Ça, ce sont les diasporas. Ça, ce sont les peuples qui ont été dispersés, pas gré ou pas force, parce qu'ils ne pouvaient pas les trois conflits. Mais je me demande, moi, ce mot est très beau. Bon, diaspora, c'est court et c'est beau, c'est mignon. Écoutez, mais lorsqu'on regarde dans le fond, ça ne reflète pas le développement que nous voulons apporter au pays. Parce que lorsqu'on nous appelle diaspora, je veux aussi me positionner comme un Français. Un Français qui est ici, ce qu'on appelle Français de la diaspora, on appelle Français de l'extérieur. Pour la petite histoire, un Marocain qui est ici, on ne l'appelle pas Marocain diaspora, Marocain de l'extérieur. Alors, pourquoi le mot extérieur et le mot diaspora? Pourquoi la différence entre les deux? Parce que dans le mot diaspora, lorsqu'il y a eu dispersion, le mot qui revient après, c'est que regroupons-nous, revenons. Oui. C'est pourquoi tout le monde utilise le mot qui est le mot dangereux, je peux dire entre guillemets, le mauvais mot, revenez. Moi, je suis allé au Canada pour titiller les meilleurs du monde dans mon domaine. Samuel Eto'o était allé en Italie pour titiller les meilleurs dans le monde. On a nos basketteurs qui sont aujourd'hui aux États-Unis, les joueurs Embiid et tout ce que ça comporte et tout, qui sont là pour titiller le monde. Alors, nous en étant Camerounais de l'extérieur, ça nous donne plus une responsabilité de porter le drapeau du pays, quel que soit là où on se trouve. Alors que Camerounais de la diaspora, c'est comme si on a été dispersé ou bien on est là par que faire. Oui. On nous dit, revenez alors investir. Revenez alors prendre votre place. Non,
on n'a pas une place à prendre. Vous avez la place. On a notre place qui est là. Personne ne va jamais changer ma place qui est dans mon village. Jamais. Ce n'est pas une carte d'identité nationale ou bien parce que peut-être si on a changé de nationalité, ce n'est pas ça. Je rentrerai au Cameroun, j'irai dans mon village. J'irai dans mon village tranquillement qui est à Mahomi vers son budget. Et j'irai chez moi calmement vers Ezeka et je verrai qui viendra me dire que je suis peut-être Camerounais de l'autre côté. Camerounais avec double nationalité. Non, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que si je me sens Camerounais de l'extérieur, j'aurai tendance à avoir un esprit prédateur, un esprit d'expansion. Oui. Diaspora nous limite à avoir l'esprit de prédateur ou bien l'esprit d'expansion. Et c'est ça que les Chinois ont, les Asiatiques ont. Lorsqu'un Asiatique sort, ce n'est plus pour rentrer. Oui. C'est pour installer Chinatown. C'est pour installer son pays, là où il est. Afin que, à travers le lieu où il se pose, il favorise, il crée des ponts, devient meilleur dans son domaine et crée des ponts pour que les gens de son pays viennent. Et je pense que pour un pays comme le nôtre, nous avons besoin de comprendre l'importance de la diaspora, d'abord en changeant le mot Camerounais de l'extérieur. Et maintenant, comprendre que vous n'êtes pas de la diaspora, le terme, certainement, ceux qui nous suivent aujourd'hui vont prendre acte. Mais il y a un autre problème quand vous, une fois vous avez essayé de circonscrire ou de tabler la différence entre les deux, Camerounais de l'extérieur et Camerounais de la diaspora. Est-ce que quand on regarde concrètement l'impact donc des Camerounais vivant à l'extérieur, des Camerounais de l'extérieur, économique, quand on revient tous les jours, vous avez semblé le souligner tout à l'heure, rappelant qu'on demande, en parlant de diaspora, c'est comme si on vous demandait de revenir. Effectivement, d'une certaine manière, il y a cette question qui, de temps en temps, même à l'Assemblée nationale, est abordée, les réseaux sont créés de ce côté. Mais la diaspora, les Camerounais vivant à l'étranger, font-ils quelque chose pour le développement de notre pays? Y a-t-il un impact économique considérable dérivant du déplacement, des prouesses des Camerounais à l'extérieur? Ben, je vais me prêter à un jeu, juste pour rafraîchir la mémoire de tous. Je pense que la BAD, chaque année, publie un transfert, les transferts d'argent faits par les Camerounais de l'extérieur. Et généralement, les pays comme le Sénégal, le Mali viennent généralement en tête. Et c'est sur ce pan-là qu'on nous compare en général. Alors, lorsqu'on parle d'investissement, on parle pratiquement d'investissement économique. Oui. C'est une erreur. Et pour la petite histoire, pour parler d'investissement économique, je peux vous dire que c'est un mot, vous l'avez si bien dit de manière naturelle, mais je peux vous rappeler que c'est un mot qui est emprunté dans nos traditions. C'est-à-dire que pendant longtemps, on avait toujours l'impression, on sacrifiait toujours un enfant pour que cet enfant, soit une fille ou un garçon, oui, allait en ville. Nos grands-pères l'ont vécu, ils allaient en ville, ils étudiaient. Lorsqu'ils avaient une position un peu, on peut dire, acceptable par rapport au village, et aidaient les autres frères à revenir. Et cette situation aujourd'hui s'est déportée aujourd'hui à l'étranger. Lorsqu'on se sacrifie pour un enfant, lorsqu'il a une position d'arriver dans un pays, il a le devoir de faire revenir d'autres. Mais ce n'est que l'angle économique, parce que les gens, l'angle d'économie ou l'angle de survie, parce que les gens veulent tout simplement manger, oui, les gens veulent avoir des besoins élémentaires. Mais est-ce que c'est de ça qu'on appelle l'investissement? Est-ce que lorsqu'on parle d'impact de l'investissement de la diaspora, on devrait d'abord regarder justement l'investissement économique? Parce que dans l'investissement, vous avez l'investissement social. Nos problèmes, nos sociétés vivent un problème, on a des problèmes sociaux. Je vous prends un exemple. La façon qu'on conduit nos rues détermine, oui, l'état de nos pensées. Tout de suite, vous comprenez qu'on manque de patience, tout le monde veut arriver à Rome, oui, en passant par tous les chemins. On a des problèmes d'ordre social dans nos lycées et collèges. Nos enfants prennent de la drogue, nos enfants sont exposés à certaines déviances. Mais qui s'occupe de ça? Alors que dans certains pays, on a plusieurs de nos compatriotes qui sont responsables d'associations. Moi, je vous avais si bien dit à votre introduction, moi je suis directeur d'un organisme, je suis dans les enjeux de développement social et économique des communautés noires au Québec.
Alors, nous contribuons à ce que la communauté noire du Québec, en passant, pas seulement la communauté noire africaine, elle est sixième, elle est classée sixième parmi Oui. toutes les communautés. Il faut qu'on sache qu'il y a la communauté noire Oui. canadienne qui est là depuis 400 ans. Les noirs canadiens comme les noirs américains, on connaît plus les noirs américains, mais il y Oui, a aussi oui. les noirs canadiens. Après, les noirs canadiens, c'est la première communauté. La deuxième communauté, c'est les noirs des Caraïbes. Les Canadiens des Caraïbes, Jamaïque, Tobago, tout ça. Et les noirs les noirs des latinos. Alors, et puis il y a les Noirs asiatiques, les Noirs africains. Alors, c'est une parenthèse que je referme. Alors, lorsqu'on parle de notre impact dans notre communauté, je pense que l'impact de la diaspora peut aussi qu'on participe du domaine social. Mais avant d'arriver au niveau du domaine social, quel est notre impact d'abord dans le pays où nous vivons? Attendez, on va revenir quand même d'abord sur un autre point. Avant de revenir sur l'impact donc dans votre pays ou là où vous vivez, on revient quand même vous parler. Vous avez bien souligné au niveau social, vous avez le volet social et vous avez même évoqué dans nos établissements, l'agro et tout et tout. Vous avez bien dit que vous occupez de cette des volets pareils Oui. ailleurs. Alors qu'est-ce que vous faites concrètement pour aider les Camerounais, vos frères qui sont au Cameroun, qui sont restés au Cameroun, qui ont ces problèmes au niveau, le problème au niveau de leur société, des problèmes dans les familles, des problèmes au niveau scolaire, et que vous avez l'opportunité et même une certaine doigté, un certain doigté, permettez-moi, pour pouvoir permettre que ça soit exceptionnel. Alors, c'est pourquoi j'ai créé le mouvement qu'on appelle Give Back to Mama. Give Back to Mama est un mouvement pour les Camerounais cadres et Camerounais élites. Il faut tenir compte que nous avons quatre catégories de Camerounais dans l'extérieur. Et comme ici, nous avons quatre catégories de citoyens. Vous avez des citoyens qui vivent dans la misère, dans la précarité. Vous avez des citoyens qui vivent dans la pauvreté. Vous avez des citoyens qui sont de classe moyenne, donc classe misère, classe pauvre, classe moyenne et puis classe, on peut dire classe élite. Quatre niveaux. Et dans toutes ces quatre classes, vous avez aussi les mêmes Camerounais dans cette partie du monde. Alors, le mouvement que j'ai mis en place, c'est des Camerounais qui ne rêvent pas de revenir au Cameroun. Comme on dit, je préfère être dernier de mon domaine au Canada que d'être premier au Cameroun. Pourquoi? Mais il est mieux d'être le dernier des premiers que d'être le premier des derniers. Je ne considère pas mon pays comme dernier, non. Je dis que la compétition, c'est un peu comme un joueur de basket. En NBA, vous ne demanderez pas à jouer l'Embiid de venir jouer au championnat à FAP de Yaoundé, d'être meilleur championnat ici, mais que ça donne. Alors que d'être deuxième meilleur marqueur de la NBA. Vous comprenez? Ou bien Samuel Eto'o a au milieu de sa forme, dit écoute, vraiment, comme tu as fini, tu as bien joué au Real de Madrid, bien joué plutôt dans Tonnerre ou dans Canon. Les enjeux, c'est de ce côté du monde. Et nous sommes les responsables. Alors, venant au niveau de ce que vous dites, le mouvement que j'ai créé dans en place permet à ce que les Camerounais qui ont certains niveaux viennent apporter bénévolement de leur expertise. Alors, parlant de ces jeunes, l'organisation où je suis directeur aujourd'hui, chantier d'apprentissage optimal, www.chapop.com, chapop.com, vous pouvez regarder, c'est ce que nous faisons. Nous aidons Sans les publicité, je immigrants, sans précise. publicité bien sûr, c'est un organisme à but non lucratif, donc il n'y a D'accord. pas de publicité. Alors, nous aidons les immigrants Oui. dans leur intégration sociale et professionnelle. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte, surtout les jeunes, on se rend compte que les jeunes ont des problèmes. Lorsqu'ils arrivent là-bas, il y a des problèmes de déviance. Donc ils rencontrent un choc. Un enfant qui vient par exemple du Cameroun, ça c'est pas notre organisme, n'est pas seulement du Cameroun, c'est Oui. d'autres communautés. Mais je prends un exemple du Cameroun pour que celui qui nous écoute comprend mieux. Une famille qui vient du Cameroun où le parent n'a jamais communiqué avec l'enfant, où l'enfant ne reste jamais au salon. Où le mari ne parle difficilement à sa femme. Ils n'ont pas de temps d'amour. Ils n'ont pas de temps les temps émotionnels avec la famille. Lorsque vous arrivez dans un pays développé comme celui-là, il y a un choc. Le mari ne fait jamais à manger. Alors subitement, la femme sort avec toi comme toi le matin à 8 heures. Elle revient après 17 heures, essorée, épuisée, et elle doit te faire un couscous. Hein? Pendant que toi tu es à la télé en train de regarder la télévision camerounaise,
Donc, alors, pendant ce temps, les enfants ont des problèmes majeurs, des enjeux. Et le parent ne parle jamais. Parce qu'on ne nous a pas appris ici, le parent ne parle qu'avec toi le jour de l'examen, le jour où tu rapportes ton bulletin et a des cas exceptionnels. Mais dans ces pays, vous devez communiquer aux enfants, vous devez communiquer avec les enfants tous les jours. On appelle ça désactiver tout ce qui a été dit à l'école ou corriger en fonction de votre culture. Alors ça, nous aidons dans les parents à pouvoir corriger ça, dans les méthodes, les techniques, et aidons aussi les enfants à mieux affronter, à mieux décoder, parce qu'il y a beaucoup de racisme et beaucoup d'influence dans les écoles. Surtout nos communautés où on ne met pas beaucoup de parfum. Lorsque je vous ai donné ça, les anecdotes, oui. on vient là, on se dit, écoute, nous on a une bonne odeur, on se dit, le premier choc, ce sont les odeurs. Oui. Pourquoi? Parce qu'on mange beaucoup épicé. On mange épicé, on mange des oignons, on mange tout ça. Alors face à ça, ça c'est notre contribution en tant que communauté de l'extérieur. Comment porter un plus dans le domaine social? Et lorsqu'on parle des investissements, si je m'abuse, investissement, il y a le social. Il y a l'éducation. Oui. On voit beaucoup de nos compatriotes construire des écoles. Ça, c'est bien un côté. Oui, vous voyez seulement qu'ils construisent des écoles, mais également, si je vais quand même faire un peu un listing, vous allez vous rendre compte que beaucoup de Camerounais vivant à l'extérieur, quand ils arrivent ici, première des choses qu'ils peuvent facilement construire au Cameroun, ce sont les débits de boissons. Je suis d'accord. Ce sont les Alors. Débits de boissons, et vous-même, vous savez, quand même, Dieu seul sait ce que les débits de boissons font au Cameroun. C'est là sont les lieux de perdition des enfants, les lieux d'apprentissage de consommation de drogue et stupéfiants. Et maintenant, c'est également là qu'il y a des viols, c'est également là qu'il y a les trucs d'homosexualité. Mais c'est ça que les Camerounais vivant à l'extérieur construisent facilement au Cameroun. Allez quand même dans les coins, vous allez voir, il y avait les noms qui reflètent les noms des pays ou des résidences ou d'accueil. Ça aussi, c'est l'impact social et économique. Ben oui, ça c'est dommage. C'est ouais. dommage. Je vais te dire, par exemple, mon frère, monsieur Ebodé, si tu vas dans ton village aujourd'hui à ta retraite ou bien tu veux faire un investissement, je pense que tu seras plus penché à transmettre l'expérience que tu as eue ici à Yaoundé Oui. dans ton village. Alors, lorsque tu vois un Camerounais, un compatriote venir s'investir, donner de son mettre de son argent Oui. dans un projet de débit de boisson, ça veut dire que c'est un Camerounais qui est dans une certaine classe sociale. Il n'est pas dans la classe de l'intelligence. Il est dans la classe peut-être du travail, et un de ses cousins ou frères lui a dit, écoute, pour qu'on puisse avoir plus d'argent, Oui. investissons dans les bars, investissons peut-être dans l'immobilier, investissons dans ceci. Mais l'investissement de la diaspora ou bien des Camerounais de l'extérieur ne peut pas être seulement, ne peut pas être dans ce que tout le monde fait. Si je viens au Cameroun, j'ouvre un débit de boisson, ça veut dire que ça reflète ma personne. C'est une insulte pour mon image. C'est une insulte pour ma personne. Alors, à ce niveau, je pense que lorsqu'on parle d'investissement de notre communauté, nous devons d'abord s'arrimer je crois, le DSE, le document stratégique, Pour le développement. le développement. Oui. De documents stratégiques. C'est là où on s'inscrit. Parce que venir ouvrir un débit de boisson, c'est ce que mon cousin ici peut faire ou n'importe qui peut faire. Vous comprenez? Alors, comment mon intelligence peut s'aligner au développement du gouvernement, à la vision du gouvernement? Alors, à ce niveau, nous avons donc, on peut donc mettre en place plusieurs strates de participation. On a des Camerounais, il y a, par exemple, tous les ministères ont des projets. Oui. Alors, comment notre communauté, je prends par exemple la communauté des Camerounais qui sont aux États-Unis, au Canada, Canada, oui. qui sont considérés comme la crème des crèmes. Je peux vous dire avec beaucoup, j'assume ce que je dis, je le dis partout. Oui. La meilleure communauté à l'extérieur, c'est la communauté camerounaise qui vit au Canada. Parce qu'elle a été sélectionnée sur la base de l'intelligence. Je vous le dis, on n'est pas allé au Canada par le réseau, ni par le bateau. Nous Oui. sommes allés par le cerveau. Donc, on a été sélectionnés sur la base de notre connaissance. Et nous avons été intégrés sur cette base. Je ne suis pas allé ailleurs. Alors, pour dire ça, lorsque on vient ici, c'est déjà une richesse. Comment faire pour nos différents ministères qui vont négocier des contrats avec des pays développés ou bien qui vont faire des projets? Si nos ministères seulement prenaient les Camerounais comme de certains domaines comme
l'œil externe, oui, ou des consultants. Voilà un apport d'investissement. Voilà un apport. Alors, Hervé Manding, si on vous comprend très bien, vous dites que c'est une sorte, une compréhension qui manque au Cameroun pour pouvoir permettre aux Camerounais vivant à l'extérieur de pouvoir participer au développement de notre pays. Oui, en un mot, je le dirais en un mot très simple. Le sous-développement, c'est quoi? C'est la capacité de voir un panier de manque et vouloir le manger. L'autre voit le panier de manque, vouloir le transformer en jus. Ça, c'est le sous-développement, celui qui mange. Développement, celui qui le transforme, le fruit, en jus. Oui. Bien le fruit en semence pour avoir plus de fruits et avoir peut-être l'industrie. Le fruit en industrie. Le problème, c'est que on ne nous voit pas comme une communauté qui peut apporter du développement, qui peut contribuer au développement. On nous voit comme quoi? Je les pense adversaires politiques. Beaucoup plus, je pense, on nous voit beaucoup plus comme des... Non, d'abord en premier, nos familles nous voient comme des pourvoyeurs. D'abord ça. Oui. C'est-à-dire que si vous posez la question à 10 personnes dans nos familles qui ont quelqu'un à l'étranger, comment vous voyez nos frères, comment on se voit, lorsqu'on arrive ici, nos familles ont tendance à prendre d'abord... Ils veulent d'abord être la, ils veulent avoir la primeur de prendre d'abord le sac d'argent, si on en a, pour ceux qui en ont. Comprenez? Mais pourquoi? Parce qu'on nous voit comme des pourvoyeurs. On ne nous voit pas. On nous voit pas comme des personnes qui peuvent apporter une certaine expérience. Tout en sachant, bien sûr, que on dit, généralement, ça c'est un proverbe de chez nous, un jeune qui a fait 10 villages est plus sage qu'un vieux qui est resté 10 ans ou 100 ans au même endroit. Vous comprenez? Alors, un Camerounais qui s'est déplacé, Il faut tenir compte que sur le déplacement et le voyage, c'est deux choses différentes. Qui c'est? Son propre nom? Parce qu'il faut faire la parenthèse. On a bien circonscrit le débat. Depuis vous faites l'effort de quand même circonscrire pour ne pas parler de ceux-là qui ont pris le chemin de la mer, d'une certaine manière. Non, il y a une différence. Par délinquance. Non, le déplacement, celui que le Camerounais qui se déplace, c'est celui qui part de Mvorada, mais ne laisse. Je vous ai compris au niveau Je dis ceci. Celui qui se déplace part de Mvorada, mais Mvorada ne quitte jamais sa tête. Alors que celui qui voyage part de Mvorada, mais Mvorada, il prend Mvorada, il prend Paris ou n'importe quel pays, il mélange et ça devient une culture. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs Camerounais, lorsque vous les voyez à l'international, dans ces différents pays, ils vivent comme ils vivaient ici en Dokoti. Il y a une différence. C'est pour ça que j'ai dit que nous devons avoir des personnes qui vont tricher la culture. Pour peut-être demain, lorsqu'on arrive, je viens ici, je veux que ma famille me pose des questions. Comment se développer dans la tête et non vouloir prendre l'argent dans ma poche, qui est dans ma poche. Alors, tu peux vous poser une question, juste pour une parenthèse, vous allez te poser une question, mais comment nous pouvons, comment on nous voit? Est-ce que nous sommes les contributions? J'ai parlé de l'économie. Nos familles nous voient d'abord comme des pourvoyeurs. Ah, maintenant, l'État, certains fonctionnaires de l'État nous voient comme des dangers. Justement parce que, il n'y a pas, on n'a pas compris le mot, l'industrie du mot, l'impact du mot Camerounais de l'extérieur. Quand on voit comme diaspora, on se dit, bon, en tout cas, ils n'ont qu'à revenir, ils étaient partis pour se débrouiller, alors ils n'ont qu'à revenir. Mais si on nous voit comme Camerounais de l'extérieur, là, tout de suite, on comprend que nous sommes des alliés pour le développement. Alors, si je prends un exemple, le ministère de l'économie veut négocier un partenariat financier et tout, on a des Camerounais qui sont des responsables à des banques à l'international. On peut les appeler pour une consultation d'une minute. On dit, écoute, le Cameroun veut lever tel fonds et tout. Essaye de nous analyser un tout petit peu le contrat qui nous a été proposé par le partenaire. Oui. Par le partenaire. Et ça fait une contribution à notre niveau. On dit, écoute, je pense qu'il y a un piège ici. Tenez compte de ça, compte de ça. Voilà ce qu'on appelle savoir utiliser une communauté. Parfois aussi, ces consultations coûtent un peu cher. Mais justement, je suis d'accord. Ça coûte parfois cher. Les Camerounais, vous qui vivez à l'extérieur, quand les autorités veulent certainement s'approprier de votre expertise, ça devient un peu plus cher que et peut-être aussi ECM donner aux expatriés qui peuvent donner encore le pot de vin après. Écoutez, on dit si on veut investir, il faut investir. En un mot, ça veut dire quoi? Si tu sais que dans un contrat, tu veux gagner 100 francs. Pourquoi tu ne perdrais pas 10 francs pour payer un vrai expert pour gagner 90 francs au lieu de vouloir faire à ta tête parce que tu penses que c'est trop cher
et tu vas faire un mauvais contrat où on te donnera 5 francs. It doesn't make sense. Ça pas d'allure. Mais il y a encore un autre point quand même qu'il faut voir, c'est quand je parlais des Camerounais qui vivent à l'extérieur et qui reviennent au Cameroun, seulement faire dans les débits de boissons, parfois dans le transport urbain, ils achètent des taxis, ils donnent à leurs frères. Là aussi, d'une certaine manière, c'est ça la programme économique, il ne faut pas se le mentir, mais on voit là beaucoup plus le côté discrétion, c'est-à-dire on ne voit pas un Camerounais quand même vivant à l'extérieur qui a une technologie qui vient au Cameroun et développe cette technologie-là avec les fonds qu'il a ramenés, il crée une industrie ou une entreprise et pouvoir commencer à recruter les Camerounais pour pouvoir avoir du travail et peut-être gagner de ce qu'il est allé apprendre de l'autre côté. Ben, je pense toujours que le débat que nous avons aujourd'hui tourne tout simplement de le mot investissement. Comment nous pouvons apporter notre savoir-faire au Cameroun? Premièrement, oui. Il y a une nuance. Comment tu veux profiter d'un investissement dans ma vie où tu n'as pas investi? Comment le Cameroun veut profiter de moi? Quand je suis à l'international, j'ai la communauté rwandaise qui est soutenue par son gouvernement. Nous avons les communautés, la plupart des communautés sont soutenues financièrement par leur gouvernement dans ces pays. C'est pourquoi les Chinois, on prend tout le monde, même prend l'exemple des Chinois, mais tout le monde ne sait pas que pour qu'un Chinois sorte de son pays, il faut toute une procédure de passeport. On ne sort pas comme ça. Parce que si tu sors, tu dois être un ambassadeur du pays. Et quel que soit le projet que tu as, le pays t'accompagne financièrement, stratégiquement, avec des hommes pour que ton pays, pour que ton projet se développe. Tu as prêté de l'argent. Qu'est-ce que le Cameroun fait pour nous? Et maintenant, vous nous demandez de venir investir au Cameroun. Mais je pense que moi, j'ai organisé en 2017 le colloque scientifique international et scientifique économique des Camerounais. Dans mon ascension au Québec, oui. Je me suis rendu compte que plusieurs Camerounais étaient positionnés dans certaines sphères d'influence. Mais j'ai constaté une chose. À chaque fois que vous voyez un Camerounais, il était isolé. Pourquoi isolé? Les autres communautés, je vous prends un exemple. Si vous voyez une communauté, un Chinois était chef de chaîne ici, oui. Le gardien est chef de chaîne, son cousin, le gardien c'est un Chinois, son collaborateur est un Chinois, tout le monde est un Chinois à côté de lui. Mais il n'y a que la communauté camerounaise, oui. Où tu vas trouver un Camerounais seul dans un coin, alors que la mairie ne fonctionne pas comme ça. La mairie, comment ça se fait? Si on vous donne un poste de responsabilité quelque part, il faut faire un effort pour faire entrer votre communauté. Parce qu'on a l'habitude de dire, j'ai l'habitude de dire ça aux immigrants, Et là, c'est la faute à qui? La faute à notre éducation. La faute à notre éducation. Ce n'est pas du tout nous. Vous comprenez, ce n'est pas du tout le gouvernement. Parce qu'on voit un Camerounais qui est bien positionné à l'étranger, oui. Qui a même la capacité à donner l'emploi à ses compatriotes, oui. de l'autre côté, mais qui ne peut pas venir prendre 10 Camerounais qui peuvent au moins être technicien à tel endroit, et ceci. Mais on le voit, il aime être aidé, il aime venir au Cameroun, et que tout le monde commence à applaudir. Samuel Hervé Mandela est arrivé, il va nous donner le Malta Guinness, il va donner la bière à flot. C'est lui qu'on parle. Mais c'est ça, c'était ça le but du colloque que j'avais organisé. D'accord. C'était pour dire, pour faire comprendre aux Camerounais que les autres communautés sont en train de prendre place. Alors, comment se fait-il que nous sommes l'une des communautés les plus instruites? Pour vous dire, la communauté camerounaise au Canada est la communauté la plus diplômée. Si je vous dis, nous sommes au moins parmi les trois premières, ça peut osciller en fonction des années, oui. en fonction des communautés, mais nous sommes parmi les meilleurs. Mais comment nous sommes une communauté aussi nombreuse, mais on n'a pas d'impact? Alors j'ai compris, une communauté qui a des individualités, mais qui ne fédère pas, ne peut pas avoir un impact dans un pays. Alors, le but de ça, on a compris que le but de ce forum, c'était de faire comprendre comment on est écouté. Nous sommes déplacés pour venir dans ce pays, ayons d'abord de l'impact au Canada. Si nous avons de l'impact au Canada, notre impact
va certainement nous dérouler du tapis rouge vers notre pays. Ça dit que c'est l'impact que nous avons dans ce pays qui va annoncer nos couleurs dans notre pays. Et je leur disais généralement que lorsque vous vous annoncez, lorsque vos compétences vous précèdent, on vous considère. Pour vous relancer, on a quand même constaté à l'Assemblée nationale, je parle plutôt de l'Assemblée nationale, puisque j'ai pu avoir beaucoup de temps, à passer beaucoup de temps aux côtés des députés qui gèrent au quotidien la diaspora. Vous permettez les Camerounais qui vivent à l'extérieur. Et là, on déplorait du fait que il y avait une semaine, on recevait individuellement, je crois, il y a un qui est adjoint maire à Bordeaux, un ancien adjoint maire de Bordeaux, et d'autres qui sont arrivés, mais séparément. Et là, la question de l'individualité, on commence à comprendre que à l'extérieur, comme toujours au Cameroun, les Camerounais sont individualistes. Oui. Et ça freine. Bien sûr. Le transfert de compétences, de technologies, le transfert même, le développement économique du pays, de notre pays, du Cameroun, les caractéristiques des Camerounais empêchent donc au Cameroun de tirer profit de leur, si on peut dire comme ça, des citoyens qui ont pu traverser la mer. Oui, tout part du leadership. Quand je parle du leadership, je ne suis pas en train d'indexer quelqu'un. Je parle que le leadership, c'est la capacité de découvrir le potentiel de l'autre et l'aider à pouvoir servir la communauté. Vous comprenez? On a une mentalité de premier. Oui. On aime toujours dire « je suis le premier Camerounais à ». « Je suis le premier Camerounais à ». Mais ce n'est pas ça le succès. Le succès, je suis le premier Africain comme secrétaire de l'organisme Table Ronde du mois de l'histoire des Noirs. C'est une organisation qui fédère des centaines d'organisations pour le mois de l'histoire du Québec. Alors, le mois de l'histoire des Noirs pour le Québec. Alors, pour ça, je ne m'en vante pas. Qu'est-ce que je fais? Cette année, je viens d'être élu, ça fait 2 semaines. Pour un mandat de 3 ans. Félicitations. Merci. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pu faire entrer un Congolais. Je vous parle un Camerounais. Bon, les Camerounais, écoutez, malheureusement, je vous dis que nos frères ont... Une des choses qu'on a découvert au colloque, c'est que les Camerounais sont de corps en Amérique, mais ils sont d'esprit au Cameroun. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas réussir dans un pays où le corps est juste là. Les gars ne vont pas dans des enjeux. Je vous prends une anecdote, sans polémique, s'il vous plaît. Sans polémique, je pense que c'est dans les médias. Le Cameroun a reçu un des opposants très connus. Je prends professeur Maurice Kamto au Canada. À cette même période, je participais, j'avais eu la charge de réunir les communautés noires, africaines, toutes les communautés africaines, dans un débat pour le racisme systémique. On s'est rendu compte que le système est raciste. C'est-à-dire que, lorsque je vous prends un exemple pour comprendre le système. Lorsque vous appelez pour un service, on vous demande quel est votre nom. Quel est votre nom? Êtes-vous noir? Êtes-vous de quelle origine? Donc c'est un système raciste. On ne traite pas votre problème sur la base de votre nom. On va vous poser des questions qui taillent déjà votre profil. Et à cet effet, l'agent qui vous reçoit va mettre votre dossier de côté. Nous qui sommes dans les organisations de financement. Pour avoir un financement, il faut déposer au moins 20 à 30 demandes de financement pour avoir un. Alors, on s'est rendu compte. Alors, on a invité une communauté, on a dit, écoutez, est-ce que nous pouvons s'asseoir pour relever, le gouvernement veut faire une sensibilisation, veut écouter tous les Africains. Et le même, quelques mois plus tard, il y avait les élections du Canada. Et j'ai été convié à la rencontre avec le Premier ministre Trudeau, qui est venu rencontrer toutes les communautés. Et avant cette rencontre, les Camerounais se sont réunis plus de 10 000. Plus de 10 000 Camerounais. Plus de 10 000 Camerounais. Ils ont rempli la salle qu'on appelle le palais de congrès. Et c'est allé sur Google, le palais de congrès du Canada, du Québec. C'est au moins 100 000. Ça
C'est-à-dire qu'en termes de spécificité, mais la salle qu'ils ont pris, prenait au moins 10 à 15 000 personnes. Ils l'ont rempli, jamais vu. Aucune communauté n'a jamais rempli le palais des congrès. Une communauté immigrante, les natifs le remplissent, mais pas une communauté africaine. Alors, on a rempli, ils ont rempli 15 000. Mais quelques temps après, on demande les Camerounais, les mêmes Camerounais, de venir parler de leurs problèmes d'intégration, les problèmes que les enfants vivent. Le système que les enfants vivent, le racisme que les enfants vivent, eux-mêmes dans leur domaine professionnel, oui. On a eu deux. Vous comprenez? Et en même temps, le premier ministre Trudeau réunissait les communautés. Donc, il est allé voir la communauté haïtienne. Nous avons réuni toutes les communautés noires, étant donné que je participe, je suis secrétaire du mois d'histoire des Noirs, et je participe aux enjeux économiques. Donc, j'ai été appelé dans le cadre de mon organisme. Alors, mais il a réuni les communautés pour leur parler de son programme qui va mettre plus de moyens pour les communautés noires. Voilà, 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 voilà. Après, maintenant, il recevait chaque communauté. Il a réussi les Haïtiens, ils étaient au moins 50 000. Il a réussi, il a réuni les Arabes, pareil. Il a réussi les Jamaïcains. Mais lorsqu'on arrive, on n'a pas pu. Il n'y a pas, c'est pas un problème camerounais. C'est pas un problème africain. Parce qu'on s'est dit, écoutez, toutes les communautés africaines, réunissons-nous quelque part. On n'a pas pu réunir même pas 200 personnes. Le problème, c'était quoi? Celui qui était, qui appelait, qui, le leader, c'est le problème, c'est le problème du leader? Pas du ou tout. Ou c'est un problème d'individualité ou de positionnement? Qu'est-ce qui a pas du tout empêché cela? On ne devrait pas regarder les choses de cette manière. On ne devrait pas regarder les choses de manière. On regarde, regardons l'appel, ne regardons pas la personne qui a fait l'appel. Bien évidemment, l'appel était déjà là, mais pourquoi? Oui. Mais vous comprenez, on est un peuple comme ça. Ça dit que tu ne peux pas changer. Ça dit que lorsqu'il faille se réunir sur les enjeux qui nous touchent, nous ne sommes pas là. Mais il s'agit seulement de... Ça dit que il faudrait se réunir pour défiler contre, je ne sais pas, on a refusé le manioc à quelqu'un, Andokoti, oui. Le gouvernement ou bien militaire a tapé. Ils vont sortir. Donc on est très fort pour la dénonciation négative. Mais on n'est pas très fort pour la dénonciation positive. C'est-à-dire quelque chose qui nous touche, nos valeurs propres. Je veux te dire que c'est culturel. Parce que dans notre culture, on ne nous a pas appris à se plaindre. Donc lorsqu'on arrive dans ce pays, moi j'ai vu des Africains, je suis dans les commissions de droit et de tout ce qui est abus des communautés noires. Lorsque vous trouvez un Camerounais ou un Africain qui est abusé, je dis, mais il faut te plaindre. Il dit que non, lui ne veut pas lui les problèmes. Il ne veut pas lui les problèmes. Il ne veut pas les problèmes. Mais on comprend. C'est parce que nous sommes dans une communauté où on n'arrive même pas à se plaindre pour des besoins élémentaires, pour des droits élémentaires. Lorsqu'on arrive et dit que non, c'est leur pays. Moi, en tout cas, moi, je suis venu ici chercher à manger. Il faut qu'après, je parte. Ouais. Mais sans savoir que tes enfants ne viendront presque plus jamais. Tes enfants. Nos enfants qu'on accouche là-bas, et tout, nos enfants qui naissent là-bas, généralement... Ne rentrent plus. Presque pas. Ils vont pas. Parce que c'est leur environnement. C'est leur environnement. Alors, je pense que nous devons s'installer là-bas pour faire changer les lois pour que nos communautés, nos enfants puissent bénéficier d'une plateforme que les parents, nous, oui, avons fait. D'accord. Alors, je reviens à une question qui entre mon esprit. Vous parlez de campagne de dénigrement, que c'est ça qu'on reconnaît les Camerounais. Et effectivement, vous qui êtes donc président d'un mouvement Give Back to Mama, est-ce que comment vous percevez cela? Chaque fois, les Camerounais vivant à l'extérieur, vous-même vous l'avez dit, j'étais très content, je voulais même vous arrêter tout de suite pour vous relancer, pour dire les Camerounais vivant à l'extérieur brillent par les campagnes de dénigrement de leur propre pays. Est-ce que c'est cela également qui fait en sorte que quand même il y a une bonne idée qui veut bien défendre des enjeux, dès qu'il y a un regroupement, certains se désolidarisent des autres, de peur de ne pas se retrouver dans des mouvements qui salissent le pays, qui peuvent leur permettre de ne plus gagner leur pain quotidien, parce que s'il est arrêté par le pays d'accueil, parce qu'on a manifesté, on a marché pour manifester, est-ce que là aussi, c'est quand même à partir de là qu'on reconnaît les Camerounais vivant à l'extérieur, la diaspora? Oui, dommage que on nous reconnaît plus dans les fêtes. Je veux m'aller plus loin.
C'est-à-dire qu'on est, l'une des communautés qui a le plus grand nombre d'organisations. Oui. Donc, on a le nombre d'associations des villages. Association des villages, Bassa, Mpo, Bassa, ceci, Bamileke, ceci, les gars de Bati, les gars de cela. Nous sommes au moins, minimum dans le fichier, nous sommes au moins plus de 500 associations. Et je veux vous dire qu'on n'arrive pas à avoir un système, c'est-à-dire qu'une association qui fédère tous les Camerounais. Il est difficile de mettre en place ce genre de système. Alors pourquoi ? Il y a d'abord un problème de notre diversité. Il faut tenir compte que la plupart des communautés, on veut nous comparer aux Sénégalais ou aux Maliens, écoutez, c'est des peuples qui n'ont pas la diversité que nous avons. Nous avons une diversité complexe. Ça nécessite aussi une complexité dans nos choix et dans notre façon de faire. Donc peut-être que c'est un handicap pour nous, mais je vous dirais qu'on brille pour faire les fêtes. Les fêtes, nous sommes meilleurs. Il n'y a pas un mois où les Camerounais ne font pas une grande fête, ils vont casser du champagne. Mais s'asseoir pour des enjeux. Vous connaissez le problème ? Non, dites-nous. Je dis généralement aux immigrants que le nombre de temps que tu passes devant la télé ou devant le média ou devant ton Facebook et ce que tu vois t'influence. C'est-à-dire quoi ? Si tu passes plus de 51% à regarder ce qui se passe au Cameroun, tu n'es pas encore intégré. Et dommage, nos communautés, la plupart de nos compatriotes, passent plus de temps à s'informer de ce qui se passe ici au Cameroun que ce qui se passe sur la cour de leur quartier. Ils connaissent plus les choses de leur pays que les choses d'ici. Alors, sur leur pays que le quotidien. D'accord. Comment tu vas être intégré dans les enjeux? Comment tu vas comprendre qu'aujourd'hui, on parle des enjeux au niveau de la lutte du réchauffement climatique? Ils vont te dire, écoute, ça, c'est les choses des Blancs. Tu comprends? Donc, nous n'avons pas été éduqués dans notre système éducatif. Oui. C'est notre système, pas éducatif, nous disons instructif, parce qu'il faut même faire la différence entre le système éducatif et instructif. Instructif dans l'école. Nous n'avons pas seulement été éduqués à participer aux causes de développement pour rien. Lorsqu'on arrive là-bas, on se dit que non, il faut que je trouve mon emploi. Oui. Je paye ma maison, je mange, je vais à l'église, j'ai réussi. En un mot, le problème se trouve au niveau du modèle de succès. On pense que réussir, c'est manger. Réussir, c'est avoir le pain quotidien. Nous sommes pratiquement arrivés au terme de l'émission, mais là, les messages qui fleuvent, on aura plus l'opportunité de lire ces messages. Bon après-midi, Théophile et Baudet, c'est nos frères de la diaspora n'investissent pas au Cameroun. Ce n'est pas la faute des autorités, c'est leur faute eux-mêmes. Oui, on va prendre rapidement notre message. Bonsoir, monsieur Ebaudé. Si la diaspora n'est pas d'impact au Cameroun, c'est parce que les autorités ne jouent pas franc. Je suis d'accord avec votre invité qui dit qu'on nous voit mieux au Cameroun comme des adversaires et non comme des frères. Un autre message. Bon après-midi, je vous écris depuis la Belgique. Au fil, je suis très convaincu que votre émission va aider les autorités. Si vous regardez, je crois que les Camerounais à l'extérieur ont plus d'expertise. Ils peuvent donner cette expertise pour la cause nationale. Seulement, les intérêts des uns et des autres ne regardent pas le développement du Cameroun, mais plutôt les intérêts égoïstes des uns et des autres. Je reviens dans le dernier message, puisque nous avons déjà notre temps est pratiquement terminé. Bon après-midi à vous, monsieur Ebaudé. Dites à monsieur Hervé Mandeng de permettre que les Camerounais ancrent encore au Canada et qu'il leur donne les emplois. On a bien voulu qu'il nous dise qu'il a déjà autour de lui beaucoup de Camerounais et pas des Congolais. Merci. C'est le dernier message, on ne peut pas continuer le temps. Certainement, il y aura un autre programme derrière nous, puisque normalement, on devait arrêter à 16h52. On n'aura plus l'opportunité de vous poser la dernière question qu'on devait vous poser. Mais quand même, est-ce que voyager signifie qu'on a réussi? Est-ce que c'est déplacer, sortir du pays? Vous dites que tout ce qui part du pays ont déjà le pain quotidien. Est-ce qu'ils peuvent se prévaloir, être des donneurs de leçons à ceux qui sont restés au pays? En un mot. Oui. En quelques secondes. Se déplacer dans un pays, être dans un pays développé ne vous confère pas le développement. Si vous êtes un lézard au Cameroun,
vous ne serez jamais un crocodile dans un pays développé. Le développement, les pays développés multiplient ce que vous avez en tête. Alors si au Cameroun vous ne faisiez rien, vous arrivez dans ces pays, vous allez seulement manger, parce qu'ils ont dépassé le manger. Oui. Mais la vie ne se résume pas à manger. La vie se résume à l'impact que vous apportez dans votre communauté. Quel est l'héritage que vous laissez sur terre? Comment vous voulez qu'on retienne votre nom? C'est ça. Comme quelqu'un a dit, c'est de ça qu'il s'agit. Mais si à vous, Samuel Eve Mandeng, président du mouvement Give Back to Mama, qui était notre invité cet après-midi. Merci à vous également qui avez envoyé des tonnes de messages que nous n'avons pas pu lire, puisque nous n'avons pas vu le temps passer. On dit merci également à toute l'équipe de production derrière les machines pour vous permettre de voir cette émission. On vous donne rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité de renom. Au revoir.